Celle-là, tu la descends, pas de problème. Pas de souci. Mais tu la montes, t'es mort. Le perso, il s'arrête pas ici, même s'il y a le pas de rack ou quoi, il s'arrête pas ici. Il s'arrête avant. Donc plus t'es incliné, plus t'es dans la merde. Et puis putain, pour faire ça... Mais j'avoue que pour la descendre, déjà, ça pourrait faire gagner du temps. Mais pour la monter, c'est... Moi, je me suicide pas, ça sert à rien. Ça me fait perdre plus de temps, justement, de me suicider. Ouais, puis tu mets ça où, toi ? T'es obligé de mettre ça sur un endroit... Ouais, comme ça, t'arrives ici, et puis tu redescends, quoi. C'est pratique. Par contre, je remonte pas comme ça. C'est mort. Ouais, ça peut faire une descente, c'est déjà pas mal. Après, l'objectif de cette tour, à la fin, c'est pas de descendre en zipline, donc... Pour l'instant, elle est là, mais après, elle va partir. J'ai plus de crochet, bah ouais, je dois poser. Si je veux poser du lattes de plancher, il va me falloir la suite. Du coup, faut que je fasse encore un escalier. Après, je peux aller partout sur l'île en fait de cette tour, mais moi j'aimerais aller de l'autre côté de la montagne en passant par la montagne. Quoi. Tu sais, après tu mets des ziplines, tu laisses ton delta plein au pied de la zipline et quand tu reviens, tu récupères et tu repars. Quoi. Mais là il y a un truc qui me pose problème. Ah ouais. Ok, donc c'est les cocottes ici qui posent problème. Mmh. Attends, je pourrais économiser une bûche là. Économiser une bûche là, nique sa mère. Pourquoi j'ai fait l'erreur là, putain. Et si je monte là-dessus, je peux sauter en face. Oh putain de merde. Dégage-moi ça. Ah ouais, je peux gagner une bûche là. Ouais, vas-y, fais ça. C'est putain de dangereux, là. Eh, mais... Les 20 FPS sont en moins, là. Allez vous faire enculer. Je m'en contrefous de la marche. Oh putain de bordel. Oh putain de merde. Vas-y, enlève là. Oh putain. Pose là en sécurité là. Je sais pas là. Ouh là là. Ah non, mais c'est les marches d'ici. Y a pas la maison là-bas. J'en ai rien à foutre la maison là-bas. Elle bouge plus la maison là-bas, c'est fini ça. Oh putain. J'ai rien à modifier dans la maison de là-bas. J'ai rien à récupérer non plus. Et puis si je veux récupérer un truc, si ça passe pas, bah je m'en fous, je le récupère pas, il restera. Bon, les pertes de frame pour faire des sauts, c'est de la grosse merde. Donc s'il te plaît, tu sautes, tu poses ton poteau et t'arrêtes de me casser les couilles.
Moi, je voulais juste récupérer mes deux bûches, là. Qui avait rien à foutre, là. Toi, ça va se passer comme ça, de toute façon, parce qu'il n'y aura pas de barre comme ça, ni comme ça. Et comme ça, je peux pas. Et putain, va remettre la zipline, maintenant. Maintenant, je vais pas oublier que la maison elle vole et que de toute façon il n'y a rien à toucher là-dedans. Puis qu'est-ce que tu veux que j'y touche? J'ai rien à toucher dans la baraque. C'est comme celle-là, les deux premières. Là. Qu'est-ce que j'ai touché dans les deux premières? J'ai juste terminé les trucs sur les pignons là parce que c'était dégueulasse. Et que ça aurait dû être fait déjà. Non, j'ai rien modifié, j'ai rajouté des trucs sur les toits. C'est tout ce que j'ai modifié. Et j'ai déplacé les étagères, mais ça... ça c'est les meubles, on s'en fout. Tiens, là, je peux m'envoyer des bûches là, tac tac, hop. Ça on en parle plus. Je pourrais faire ça peut-être un peu plus haut, mais pas trop. Au bout d'un moment, ça ferait de la merde, je crois. J'en ai marre d'aller chercher les bûches en bas. Là. Alors ça, ce serait très très énervant. Ça, c'est insupportable. Le fait qu'il fait des sauts, tu vois. Le fait qu'il fasse des sauts, comme ça, il n'y a pas de souci. Mais des fois... Depuis tout à l'heure, t'es en train de sauter. Là, je veux sauter, avancer pour lancer la truc. Et il arrête de sauter. Vas-y, vas-y, regarde. C'est bon, on peut y aller? T'es sûr? Voilà, elle a compris. Ah non, mais c'est bon au bout d'un moment hein, d'être chiant. Hein. Et puis pourquoi tu cours pas là? Oh putain, elle a pas d'endurance. Oh putain, toi tu vas servir à quelque chose parce que enfin tu te retrouves ici. Il était temps. À me suivre partout. Je vais couper des arbres, il est derrière moi. Je vais là-bas, il est derrière moi. Où j'aille, il est derrière moi en fait. Le mec, il a des ordres. Il doit faire des trucs, ne pas bouger. Non, il est toujours derrière moi en fait. Il fait jamais rien. Donc quand j'allais couper du bois. Bah, il me rapprochait les bûches de la zipline, vu que de toute façon, tu me colles au cul. Non, mais il est toujours dans les pattes. C'est... Au moins, avant, il faisait du poisson, il restait dans son coin, il faisait chier personne. Donc là, le seul truc que j'ai trouvé pour qu'il arrête de m'emmerder, c'est le laisser cacher, en fait. Quand je lui dis de se cacher, il reste caché, il bouge pas. Quand il est dans la forêt là-bas, que je vais couper les arbres, qu'il vient m'emmerder, que dès que j'ai fini de ramasser mes bûches pour pas qu'il coupe les arbres que j'ai pas envie qu'il coupe, je le fais se cacher, il bouge pas le mec. Je vais ici, je fais des trucs, il ne bouge pas. Donc le seul moyen c'est reste caché quoi. Tu sais, c'est limite pour le poisson, j'ai limite pas besoin de lui. Là, je vous le dis parce que j'ai la flemme, mais. Sinon, bah, j'ai la viande de ouf stockée pour l'hiver, et puis sinon, bah, après, je vais choper le poisson moi-même, en fait. Vu que j'ai la technique. Ouais, il suffit d'avoir... faut des cordes de grappin. D'ailleurs, un peu trop pressé, quand j'ai pêché l'autre fois, j'ai foutu une corde de grappin au fond du lac. J'ai dû aller la chercher à la nage et tout. Du coup là-bas il sert à voir les prochaines mises à jour. Peut-être qu'on pourra lui mettre une arme, peut-être qu'il arrêtera de faire de la merde, peut-être qu'il sera moins dans tes pattes, peut-être qu'il pourra faire autre chose, on sait pas, on verra. Tu sautes? Tu sautes? Voilà. Il est casse-couille le perso là.
que ça fait l'autre. Donc ça fait 4. Non mais j'ai dit 4. Et du coup 6. Mais c'est qu'il y a la cascade d'eau, dis donc. Tu m'as saoulé. Il y en a beaucoup des planches. C'est sûr que Kelvin, je vais me le garder dans les pattes pendant très longtemps. Hein, parce qu'ils n'ont pas intérêt à faire des mises à jour tout de suite sur ce truc de merde. Et encore, ils l'ont déjà fait subir là. Hein. Parce qu'avant, ils s'arrêtaient pas niveau poisson. Hein. Là, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent à 3. Au-delà de 3, faut lui redemander. Donc déjà, ils ont modifié des trucs dessus. Et le fait qu'il arrête pas de te coller au cul, que c'était pas le cas avant, bah ça aussi, ils l'ont modifié. Ah oh, mais je peux les poser nulle part pour l'instant. Putain, la structure, elle est faite de façon à ce que je peux rien poser nulle part. Quoi. Allez, pour l'instant, tu mets ça là. Non mais là... Oh putain... Regarde l'escalier, regarde le haut, regarde l'escalier, regarde le haut... Alors... ici ça se passe comme bâtard... Bon c'est pas grave, je vais mettre ça d'en bas. Ça c'est un coup à mettre deux bûches, une n'importe où et une où tu veux. C'est pour ça que ça me casse les couilles de sauter. Pourquoi il descend la zipline moins vite là? Puis de toute façon cette tour. Je sais pas jusqu'à quelle hauteur elle ira, mais je suis pas obligé de la terminer pour faire mon screen final quoi. Faire un screenshot final de la maison. Avec elle en arrière-plan. Sauf que. Ouais, je vois, j'ai bien envie de la faire un cut et de la coller dessus carrément. Quoi. Qu'on la voit bien, aussi bien que l'autre baraque. Hop là! C'est la hauteur, elle est ok. Tac. Mettre pelote de plancher hein. Ouais, en tout cas faire une tour c'est super chiant parce que plus tu montes et bah plus tu montes et quand t'as fini de monter bah tu continues de monter quoi. Arrête. Ça, c'est le genre de truc, faut faire ça à plusieurs. C'est l'enfer, hein, tout seul. Hein. En plus, c'est ultra répétitif. Ça ici. Non. Non. Non, parce que... non, ouais, non. On va faire ça autrement. On va faire ça comme ça. Tac, tac. Après, je vais retester avec le deltaplane jusqu'où j'atterris.
Tac. Ce qui permet de rajouter les deux poteaux. Hop. Ah, je fais ça hier pendant 2 ou 3 heures. Ce que je faisais quoi. Je fais ça jusqu'à je sais pas, 2-3 heures, puis j'étais me coucher à 1 heure pour me réveiller à 6h du matin. C'était génial. Du coup bah cet après-midi fatigué hein. J'ai dormi quoi, super. Ouais bah ouais vas-y hein, tu sais en fin de compte une zipline ça se prend dans le sens que tu veux. Putain je vois rien. Pourquoi t'atterris pas dans le rack à côté? Hein? Elle commence pas à faire des dingueries, c'est déjà pas facile d'aller les amener là-haut. En plus tu changes de mécanique entre temps. Du coup je sais même pas combien t'en as là. Ah je crois qu'il est full. Super, il y a un pote. J'aimerais bien faire une sauvegarde et tout, donc ça serait bien de ranger ça quelque part. Genre quelque part, est-ce que j'ai encore de la place quelque part? L'autre, je vais le tuer avant qu'il me casse les couilles. J'en ai marre de perdre de la vie pour des conneries. Il est où ce bâtard? De brouillard, je te vois pas. Mais ils sont plus résistants, je trouve. Hein. Parce qu'au début, je leur mettais une balle dans le torse, ils mouraient. Maintenant, il m'en faut deux. Peut-être que quand j'aurai atteint 300 jours, il en faudra 3 des balles. Combien de jours là? Oh putain, 235! J'ai même pas vu. J'ai même pas fait gaffe. Je commençais à remplir les étagères, du coup. Bah voilà quoi. Hein. Ça en fait du bordel. Hein. J'ai mis tout mon scotch, tout mon fil. J'en avais marre de pas pouvoir en ramasser. Ça commence à me péter les couilles. Du coup, je suis full à poil, quoi. C'est bizarre hein, de voir tout vide. Encore, j'ai pas tout mis. J'ai mis tout ce qui est crafté, en fait. La plupart des trucs craftés. Bon, après, les piles. Parce que les piles, c'est rare, donc j'en mets de côté. Mais ouais, même mes armures, j'ai posé. Sous mes armures, elles sont au-dessus, je crois. Non, je peux poser ici. Bon, il n'y a plus de planches qui traînent normalement. Il reste les rondins là-bas, mais je n'en ai rien à foutre. Moi, j'ai envie de faire un test trop marrant. J'ai envie de rigoler un peu. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je veux sauvegarder là.
J'ai rien oublié là-haut. Ouais, j'ai pas envie de perdre une seule planche. Encore hein, les demi, je me dis que je pourrais en faire des poteaux et tout, mais je me vois mal ramener deux demi pour faire un poteau quoi. Ah ouais, les planches, je les avais posées là. Okay. Bon, alors fais voir cette histoire de. Oh, c'est dommage, je peux pas sauter en face là. Voyons voir cette histoire de. De trucs dans le sol là. Eh, tu crois que je passe à travers? Attends. Ah, trop tard, je me suis pris trop tard. Mais ouais, il y a moyen de faire un truc là. Je vais faire tomber la maison, rien, rien. Bah. Quoi? Mais c'est pas drôle! C'est pas marrant. Et quand je fais péter ça, ça fait tomber une partie seulement. Putain, y a pas un moyen de faire tomber toute la maison là. Moi, je veux qu'elle tombe tout d'un coup. Mais bon, je crois que c'est impossible. Hein, parce que même si je casse ce côté. Si je casse le centre, c'est le centre qui tombera quoi. C'est pas marrant. Ce jeu, il est pas drôle. Tu fais chier à faire une construction pendant des heures, tu te prends la tête de ouf, et quand t'as envie de tout détruire pour avoir du soulagement, bah tu peux pas. Putain, je vais aller sur The Forest, je vais faire une baraque et je vais la détruire juste pour être. Ou même charge le château. Là. Charge le château et je le détruis, rien que pour le plaisir. Moi, c'était un de mes plus grands kiffs de détruire une de mes constructions quand je m'étais pris la tête pendant des heures dessus. Tu fais une sauvegarde juste avant et puis c'est tout quoi. Hop. Ça, tu vois tout tomber étape par étape. Trop stylé. Alors, voyons voir cette hauteur à peu près ici là. Ça se passera comment? Non, tu jamais de la vie. Tu sais, j'ai l'impression que plus je monte et plus ça. Bah, en fait, ça monte pas. Pourquoi t'as fait un truc tout tordu? Ah, je vais arriver là-bas. Je vais être au pied de la montagne, quoi. Putain, l'objectif est même pas atteint. Je vais être à la moitié de l'objectif, il va falloir que je monte encore de moitié. Non mais c'est stop en fait, ça me fait chier. De faire une tour qui fait des kilomètres de haut là. Ah après si j'atterris là. Ça peut être cool. Ouais, c'est trop bas à mon goût. J'aurais voulu atterrir au-dessus. Ça aurait été mieux. Parce que là, c'est pas la folie. Putain, c'est quoi cet endroit? Des trucs intéressants ici ou c'est ça sert à rien? Ils ont des pierres sur la tête. C'est tout? Y'a que ça ici? Du tissu, ouais, youpi. 4 tissus. Waouh, youpi, je vais faire un spot de farm pour 4 tissus. Bah, c'est de la merde. C'est bien. Et donc là, tac, t'arrives, t'as intérêt au pied de la montagne. Et alors, après, faut faire quoi? Faut encore marcher dans la forêt et tout. C'est chiant, non? L'objectif, c'est tu sautes et tu passes de l'autre côté. Sinon, faut que je fasse le tour à chaque fois en fait. Faut que je contourne la montagne pour aller sur l'autre base par exemple. Parce que là, t'es emmerdé avec le deltaplane dans les arbres qui gênent et tout. Il y a une box du deltaplane. Alors, j'ai regardé moi.
quand je saute de... J'ai vu mon ombre, en fait. J'ai sauté de la tour, j'ai vu mon ombre. Et en fait, quand tu sautes, tu vois le deltaplane qui a les ailes qui se déploient. Tu vois l'ombre du deltaplane qui a les ailes qui se déploient. Donc déjà, là, quand on marche, techniquement, les ailes, elles sont pas déployées. Donc déjà, pas déployées. Merci, arrête de bugger. Et déjà, pas déployé, tu tapes des arbres. Alors imagine si c'est déployé, c'est juste l'enfer. Mais ouais, non, là, c'est chiant, là. C'est très chiant. T'as vu, en plus, tu montes la montagne, il bug le truc. Ouais, non, c'est très très chiant, là, le fait de... Non, je vais plus haut encore. Pas assez haut, là. En tout cas, faire du deltaplane de nuit, c'est bien, parce que on voit bien la magnifique map que les développeurs ont fait. Hein. On voit bien tous les détails, l'océan au loin... Heureusement que c'est l'hiver, hein, parce que sinon ce serait le noir total. Y'a même pas la lune, quoi. Chier. Wouah. C'est tellement beau, hein. On voit rien. Bon, je vais recharger parce que de toute façon j'ai rien fait. J'ai sauvegardé exprès. Moi je voulais faire un test. Hop. 234 jours. Quoi. 234 jours et on se fait toujours autant chier que les cannibales. Après, ils viennent, ils sont nombreux quand même. Quand tu vois, il y a 3 rouges dans le groupe et 4 mecs avec des armures et tout, tu te dis, ah ouais, ça rigole pas, quoi. Mais bon, vu qu'on est suréquipé maintenant, tu peux m'en faire venir 10 des mecs en rouge, j'en ai rien à foutre. Tant que j'ai des balles, elles en sont où d'ailleurs mes balles? Oh putain, il m'en manque 200 au moins. Ah non, ouais, j'ai passé dans dessous les 400, donc ouais, il m'en manque 150 quoi. Faudrait que je refais un run des balles, je pense. Je vais faire un tour en off pour refarmer des munitions. J'aimerais bien savoir jusqu'à combien on peut avoir de mun en fait. Est-ce que le maximum ce serait pas 1000 par hasard? Parce que 1000 c'est facile à faire. Hein. Il suffit, je sais pas moi, de te mater une série de 10 épisodes, une petite saison là. Et puis je peux te jurer qu'à la fin de la saison, t'as 1000 munitions. Bon, il faut 2 écrans. Hein. Si t'as pas 2 écrans, tant pis. T'as intérêt à trouver une occupation parce que tu risques de te faire chier. Parce que charger une partie tout le temps, c'est très chiant. Cool, une bourse. Oh, ouais, je peux ramasser mes bourses maintenant. C'est cool ça. Bon, bah. Ça me saoule de faire le tour. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Y a rien à faire en fait sur le jeu. Une fois que t'as construit, tu fais quoi? Une fois que t'as construit, que t'as fini le jeu, tu fais quoi, en fait? Tu cherches le sweat à capuche? Parce qu'il manque que ça? Ou il nous manquait ça et peut-être un autre truc, mais... Je sais pas combien il y a de vêtements, en fait. Parce que j'ai quoi, là? J'ai quoi, là? J'en ai une sur moi. Elle avait où, la veste d'hiver, d'ailleurs? Ouais, elle va ici. Je crois qu'il y a une robe, mais j'ai pas la robe. Ça, à partir de mon pote, j'ai la robe. Là, j'ai pas la robe. Je crois savoir où elle est, dans la salle de réception, là, mais... Pourquoi j'ai pas la robe? J'y suis retourné, en plus. Tu te rends compte que j'ai stocké les armures de Philetech, tout ça, j'avais full, hein, j'ai tout stocké. Je les ai même pas mis sur moi une fois pour faire le succès. Mais voilà, du coup, s'il n'y a pas de cannibales qui viennent chez toi et tout, tu t'emmerdes, quoi.
Donc du coup, tu installes le cheat, tu vas sur les parties des gens et tu détruis tout. C'est comme ça que ça se passe normalement, non? Ouais, ça doit être ça, hein. Tu vas sur les parties des gens et tu casses tout, quoi. Juste parce que ça te fait marrer. Mais bon, moi j'ai pas fait ça sur The Forest, donc je vais pas faire ça sur Son of the Forest. Et puis aller sur la partie des gens pour voir leur construction et tout, sans cheat, bah c'est chiant parce que t'as endurance, tout ça, faut courir dans la map. Et comme les gens ils ont pas l'intelligence de mettre plein de ziplines comme moi, bah il va falloir marcher quoi. Ouais, c'est chiant. Putain, y a rien à faire sur le jeu. Mais je vais jouer à quoi du coup? Puis la mise à jour est dans quoi? Dans 10 jours là? Moi dans 10 jours je travaille. Hein.